Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous veillons et observons vos progrès sur la planète Terre et nous sommes heureux de dire que vous êtes prêts pour les énergies de septembre qui viendront de notre part et d'autres points de la galaxie et de l'univers. Les énergies de septembre visent à accueillir le changement pour vous tous. Elles visent à vous préparer au changement. Elles ont pour but de vous aider à abandonner vos attachements. Et elles sont là pour vous aider à traverser le courant dont la vie a existé sur la Terre, vers ce à quoi vous vous dirigez à mesure que vous achevez le changement de conscience. Maintenant, l'achèvement du changement est encore loin de là où vous en êtes actuellement. Nous devons vous l'avouer. Cependant, vous verrez que de nombreux changements se produiront d'ici là, malgré tout. Vous avez besoin de toute l'aide et de tout le soutien que vous pouvez obtenir pour initier ces changements et vous sentir à l'aise pendant ces tumultes. Vous savez maintenant qu'il y aura des changements dans les différents systèmes que vous avez sur Terre et qu'ils peuvent se dérouler plutôt bien si c'est la chronologie que vous choisissez pour vous-même et en tant qu'individu. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres choisissent. Vous n'avez pas non plus à vous soucier de grandes catastrophes naturelles qui engloutissent de vastes étendues de terre et d'habitants. Vous devez abandonner les peurs auxquelles vous vous accrochez, comme celle qu'il fut auparavant antique de l'Atlantide et de la Lémurie. Et vous pourrez reconnaître que vous faites partie du collectif qui s'éveille en grand nombre. Ces éveils se poursuivent et vous êtes tous là pour y participer, pour aider ceux qui vivent leur expérience d'éveil et pour partager vos propres expériences avec les autres, afin que les leurs leur paraissent plus normales, afin de recevoir et d'embrasser pleinement ces énergies. Vous pouvez alors vous poser la question dès maintenant. À quoi est-ce que je m'accroche encore? Qu'est-ce qui m'attache à rester tel qu'il en est en ce moment? Sachez que tout se transforme, même votre corps physique. Et à mesure que vous acceptez le changement d'une base de carbone à une base cristalline, vous ressentirez de la légèreté d'être que vous souhaitez être en tant qu'être humain physique. Rappelez-vous que c'est à cette époque que vous vouliez vous incarner sur Terre et que vous vouliez être à la pointe de cette évolution de conscience. Et c'est là où vous vous trouvez en ce moment. Alors que certains d'entre vous pensent même à créer les nouveaux systèmes dont vous disposerez. N'oubliez surtout pas que vous avancez toujours vers quelque chose de meilleur et jamais vers quelque chose de pire, et que vous pouvez faire de cette période de transition une période remplie de joie et de facilité, tout en vous libérant de vos peurs et de vos anxiétés. C'est également une bonne idée pour vous d'abandonner vos attachements concernant la manière dont le changement se produira, quand il se produira et qui pourra accéder à la cinquième dimension. L'expérience ultime que vous vivez en ce moment est en train de vous transformer et de vous changer. Et tout ce qui est en dehors de vous doit et reflétera cela. Ainsi,
vous pouvez vous détendre et avoir l'esprit tranquille. Pendant que vous recevez les énergies de septembre, qui vous aideront à faire une transition plus belle vers le papillon que vous devenez en tant que collectif éveillé humain. Nous sommes le conseil arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. 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 Merci.